Vigilance en mer pendant tout le week-end. L'alerte à la forte houle de sud-ouest impose des précautions et des interdictions sur l'eau aux Australes, au Tuamotu et sur la côte ouest de Tahiti. De Punahouia à Te Ahu'o, les activités nautiques ne sont plus autorisées depuis midi. Ce matin déjà, les plages étaient sous surveillance et les prestataires de services se réorganisaient. Natacha Silagi, Teivaribé. Il n'a pas l'allure habituelle, le récif des plages publiques de la côte ouest. La police rappelle la prudence aux familles, tandis que les enfants restent sur le sable, alors que d'autres décident de rentrer plus tôt. J'ai vu que ça commence à monter là. Hein. Donc pour les enfants, il faut prendre des précautions. Oui, c'est dangereux, ça tire vers le large, quoi. Tout ça, on a arrêté. Vous rentrez alors? Oui, on rentre à pas. Même hier, sur une autre plage un petit peu plus bas, le niveau montait déjà de 30-40 cm. Ça faisait des grosses vagues. Du côté des pirogues doubles de loisirs, certaines prestations ont été reportées, mais les autres, organisées dans une zone non interdite, sont maintenues. Alors la fête d'équipe de cette agence immobilière aura bien lieu. Vous n'avez pas eu un petit peu peur de l'annonce de forte houle ou vous êtes... Oui, on a juste, j'ai vu juste hier et que comme l'organisateur de bateau, ils n'ont pas dit que c'est annulé, donc on continue quand même. D'accord, on fait attention. Bien sûr. J'avais entendu parler de l'alerte, mais le week-end de 3 jours est plus fort quand même, l'envie d'aller sur le lac. Il fait beau, il y a des mois de soleil, il fait trop beau. Les prestations qui sont situées sur Punahouia, donc notre parc aquatique et notre location de bateaux beaucoup plus petites, hein, qui sont autorisées de l'autre côté, ont été annulées pour aujourd'hui. Hein. Par précaution cette fois? Par arrêté, parce qu'en fait on risque d'avoir une amende si jamais on persistait à vouloir de... aller sur place. Ouais. La houle et les courants n'ont pas découragé non plus les résidents en partance vers l'île sœur. C'est bien quand il y a le week-end. Les catamarans ont tous quitté le quai. Aucune interdiction dans le chenal. Seulement le risque pour les passagers d'être un peu chahutés pendant la traversée. En fait, j'ai l'habitude d'aller à Montréal. Donc pour le bateau, ça me dérange pas trop. Vous n'avez pas peur de la houle qui est annoncée? Non, pas vraiment. Il faut juste être prudent. Hein. On a l'habitude aussi d'aller à la mer et tout. Hein. Ça va être un week-end mouvementé, mais on ne fera pas de vagues. Au mois de juillet dernier, la houle avait provoqué beaucoup de dégâts sur Tahiti. On n'est jamais trop prudent. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.